Bonjour à toutes et tous. Là, je viens vous montrer quelques petites créations que j'ai réalisées pour des anniversaires. Alors voilà, une petite carte chevalet. Alors, c'est Chris qui m'a donné l'idée de faire une carte comme ceci. Voilà, chevalet. Et moi, je l'ai fait sur le thème un peu de la lecture, des fleurs. Voilà, avec un papier qui imite la laine. Voilà, comme ceci. La laine avec des points façon chevron. Voilà, derrière, je mets mon petit logo. Allez, voilà. Donc voilà, déjà, cette carte. Ensuite, j'ai fait deux ATC, voilà, avec des fleurs. Alors, les fleurs, c'est une d'entre vous qui m'a envoyé les tamponnages. Alors, je les ai coloriés, découpés, voilà, et positionnés sur les ATC que j'ai. Donc, j'ai fait les petits coins comme ça, avec les perfos que m'avait offert ma fille. J'ai mis un tamponnage plaisir d'offrir. Ici, il y a un petit cœur en 3D. Il y a des petites pointes comme ça, des petites énamelles d'hôtes aux quatre coins, dans les tons roses. Et j'ai fait l'autre fleur que j'ai mis dans le sens inverse. Voilà, toujours avec les petites énamelles d'hôtes. Voilà, et cette fois la fleur elle est bleue et le feuillage un peu plus clair que celui-ci. Là elle est en vert foncé et là c'est en vert clair. J'avais beaucoup aimé ces tamponnages de fleurs, donc j'ai fait du coloriage. Donc voilà la pochette que j'ai réalisée aussi avec du papier toilette. Voilà, enfin pas le papier toilette, les rouleaux. Voilà, donc les ATC iront à l'intérieur de cette pochette. Voilà la petite pochette, alors avec des morceaux de papier de musique, alors toujours ce fameux papier qui imite le tricot, et j'ai fait des tamponnages de lettres A, T, C. Voilà, j'ai vieilli le tour. J'ai mis ici une petite rose et là j'ai écrit ATC sur une petite étiquette. Ensuite j'ai fait un marque-page. Voilà, alors toujours le même papier, mais par contre celui-là c'est le même que la carte. Il a des petits filets couleur or que celui-ci et l'ABC que je vais vous montrer après n'en a pas, il est carrément uni. Voilà, le tissage est uni. Donc voilà, là j'ai mis un papillon, toujours les énamelles d'hôtes un peu partout, meilleurs vœux pour ce jour important, des roses. Alors j'ai plein de choses comme ça, des gros stickers en 3D, là, très épais. Voilà, les papillons, donc c'était une planche que j'avais, j'ai utilisé. Ici j'ai mis une jolie feuille de couleur, et là du raffia. Voilà, j'ai fait un petit nœud en raffia. Voilà, j'ai attaché ici pour pas qu'il se déplace. Et ensuite, j'ai fait l'ABC, donc avec d'autres fleurs. Alors, c'est pareil, hein, c'est le même. Comment ça s'appelle? Les mêmes planches de fleurs que les ATC. Voilà, toujours, c'était les mêmes tamponnages que vous m'aviez envoyés. Alors, il n'y a pas le nom hein, sur les tamponnages, alors je ne sais plus qui me les a envoyés. Et là, j'ai noté A, B, C, avec des petites lettres bois, tampons bois, que j'avais acheté chez Action. Ouh là là, ça date du début, je crois que je faisais du scrap presque au début. Voilà, donc toujours des morceaux de portée musicale que j'ai vieilli comme ça, et sur chacune je suis venue mettre une découpe de fleurs que j'ai coloriées, et on retrouve le mot plaisir d'offrir, et là j'ai mis une petite étiquette en vert, comment on appelle ça, vous savez,
j'ai plus enfin, en papier miroir, voilà, avec du papier miroir. Là, voilà, là on voit. Donc, la citation, c'est « Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais », et c'est d'Oscar Wilde. Voilà, donc voilà, ça c'est l'ABC. Donc je vais terminer de la même façon que le marque-page, sauf que la petite feuille de vigne, là elle est dans les parmes, quoi, les lilas très clairs, quoi. Toujours fermé avec le raffia. Voilà. Voilà, voilà. Alors voilà pour une. Alors j'avance petit à petit, hein. J'ai du retard, mais bon. Alors j'ai fait une carte, alors celle-là je l'avais mise sur Instagram avec le tuto de Aude Barbara Scrap. Voilà, donc c'est une carte qui s'ouvre comme ceci. J'ai beaucoup aimé ce système de cartes. Aujourd'hui c'est ta journée, donc on ouvre comme ça. On a, voilà, et à l'intérieur, là on peut y mettre notre mot. Et là, j'ai fait un tamponnage de feuillage dans les tons bleus clairs. Voilà, aujourd'hui c'est ta journée, j'ai remis le même tamponnage. Donc c'est trois bleus différents. Sur la première de couverture, comme on dirait, c'est un tampon qui vient de chez Action. Donc j'ai tamponné les fleurs, là, comme ça. J'ai mis du glossy dans le cœur des fleurs. Alors je ne les ai pas coloriées, c'est exprès, hein, pour rester un peu sobre. Voilà, j'ai mis deux demi-perles turquoise, un petit papillon, j'ai une petite découpe comme ça, donc j'ai découpé ça à la Big Shot, le petit papillon. Donc là, alors là j'ai fait un marque-page, c'est pas un ABC, c'est un marque-page, voilà, comme ceci. Alors avec le papier bleu autour, là j'ai fait des tamponnages sur le papier de fond, j'ai colorié les fleurs en couleur or. On retrouve une découpe de papillons. Ici, sur le papier blanc, j'ai ancré les bords aussi. On retrouve les mêmes tamponnages ici. Et les petites fleurs. Sauf que les petites fleurs, là, je les ai coloriées en bleu. J'ai mis du glossy dans le cœur, des demi-perles. Un petit papillon comme ça avec de l'argenté. Pareil, j'ai fait des petites antennes. Fait sur l'autre, voilà, voilà le marque-page, et j'ai fait les trois ATC sur le thème des fleurs. Donc on trouve les fleurs comme ça penchées d'un côté de l'autre. Alors là j'ai colorié, j'ai fait de l'aquarelle, hein, c'est des feutres aquarellables, donc j'ai juste fait un peu de feuillage. Alors, ça peut paraître bizarre, des feuilles bleues, mais je voulais pas sortir des couleurs, hein. J'ai fait tout en bleu et blanc. Et là, j'ai juste mis quelques pointes de bleu foncé, parce que la feuille, la fleur, elle est stylisée. Il y a, comme si elle avait été découpée. Voilà, ici, il y a des petites étoiles, ici, il y a des ronds, ici, il y a des écritures. Là, c'est uni. Et là, les pétales sont avec comme des briques. Voilà, alors, j'ai mis quelques touches de couleur un peu foncée. Donc, celle-là, c'est la même. Pas la même, non, pas tout à fait, parce qu'il y a plus de... Elle est à l'inverse de celle-ci. Voilà. Et l'autre, j'ai mis deux grosses fleurs comme ça. Alors, toujours avec le glossy au milieu. Et voilà. Ah, parce qu'à chaque fois, j'envoie des choses et je ne pense jamais à les filmer. Alors, comme beaucoup n'ont pas de chaîne, mais en fait, on ne voit pas tout ce qu'on fait. Des fois, on dit « Ah, ben, il n'y a pas de vidéo. » Ben oui, mais voilà. On fait des trucs, mais on... Alors je fais après, j'essaye de faire en fonction des goûts de la personne. Il y en a qui n'aiment pas du tout le vintage, il y en a qui n'aiment pas le shabby, il y en a qui n'aiment pas, je sais pas, telle couleur. Alors j'essaie, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y en a pour qui je n'ai pas du tout les goûts. Alors voilà. Donc, et ben voilà, donc c'est une courte vidéo.
Je vous dis à très bientôt, c'est pareil, je ne sais pas quand est-ce qu'elle paraîtra, certainement quand les personnes ont reçu mes courriers. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!